Je suis Charlotte Ngomagnon Alto et chargée de la communication et des relations publiques de la Voix du Sénat. Je ne sais pas si j'ai qualité vraiment de parler du professeur, mais pour avoir passé vraiment un peu de temps avec lui, c'est un homme alors merveilleux. Je dis bien merveilleux. Notre papounet, notre papa chéri, notre berger, notre 10, comme on l'appelle. Alors, il nous a collé des petits noms au sein de la chorale. Moi, par exemple, il m'a surnommée celle qui amène quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Pourquoi? Parce que le professeur s'était retrouvé à un certain moment, il ne composait plus. Et je suis allée vers lui, j'ai constaté ça, j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Je suis allée fouiller dans son intérieur et je lui ai posé un problème en lui demandant, Berger, est-ce que il serait possible, comme nous avons une sollicitation, est-ce que ça vous dirait de composer pour cette sollicitation? Il a été catégorique en me disant non. Et puis quand il dit non, il ne faut pas le contrarier, je suis restée tranquille, je suis rentrée. Alors, mon cerveau a commencé à tourner, j'ai réfléchi, dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? 2 jours, je suis repartie. Je lui dis, après une conversation, je lui dis, ben, je peux vous poser une question. Il me dit, allez-y. Je lui dis, ben, j'ai handicap. Votre source d'inspiration a tari. Et quand vous ne pouvez plus composer, la preuve, depuis que vous êtes incarcéré, vous n'avez plus composé. Il a marqué un temps de silence. Il m'a dit, ah bon? Je lui dis, oui, berger. Après, je suis partie. 2 jours après, mon téléphone va sonner. Allô? Je lui dis, oui, berger. Mes amis sont venus me visiter. Mes amis, les anges. Ils m'ont donné les paroles et la mélodie. Appelez un par pupitre et l'organisme, vous venez. Si c'est bon, on valide. J'ai dit, yes! Oui. Après, nous nous sommes retrouvés à la prison. On a commencé à travailler le morceau avec les paroles. Quand on a terminé, le chant était hyper, alors hyper beau. Quelques jours après, nous l'avons enregistré. Ensuite, il va me dire, vous avez vu, non? Je vous ai dit que je peux toujours composer. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, ah, si tu pouvais savoir ce que je viens de te faire. Alors, comme il nous a donné des petits noms, il y a plein de petits noms. Par exemple, on a Ngonobobla, Katéré, Agrégé, Mini Minor, L'Enfant. Il y a tellement de petits noms comme ça. Nous aussi, on lui a trouvé un petit nom qu'on appelle entre nous. Il ne maîtrise pas. Ce nom, c'est auteur, compositeur, arrangeur, gâteur. Pourquoi? Parce que le professeur commence une chanson, il la modifie, il la retrace, c'est-à-dire on balade le chant dans tous les sens. À la fin, on s'énerve. Il est voix témoin, tel vient faire la voix témoin. Non, 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 ce n'est pas bien. Ici, ça pique. Quand vous partez, non, 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 ce n'est pas ça. Vous êtes en train de gâter ma chanson. On revient. Non, c'était ce que l'autre a dit. Je demande, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, la version finale, le chant est alors hyper, je dis bien hyper. On oublie toute cette souffrance-là et tout. Et pour vous dire autre chose, le berger est un homme, je dis bien, au grand cœur, humaniste, toujours en train de blaguer avec nous. Oui, je me souviens la dernière fois, on avait une commande de chant de Jean Tabi concernant la jeunesse. Alors, il y avait toutes les il a cité de traduire des phrases en plusieurs langues locales. Alors, je lui dis, berger, on a oublié les tonnes. Il s'est énervé. Il dit, jamais. Ça veut dire que quoi? Est-ce parce que nous sommes en colétone que les étonnes, parce que vous avez failli ma chorale, que je dois chanter en étonne? On a éclaté de rire. On s'est passé dessus. Et quand la sœur est arrivée pour venir écouter le chant, elle lui a fait cette remarque en lui disant, professeur, je souhaite qu'on ajoute les tones et
le Bafia ou le Yambas, à quelque chose comme ça. Une langue du centre. On s'est regardé, j'ai encore éclaté de rire. Il m'a regardé et m'a dit, vous êtes content, vous faites la sorcellerie pour que l'étone apparaisse dans mon chant. Et pour finir, quand nous sommes allés traduire le chant en étone, c'est la partie en étone qui captivait plus les choristes, même le public. Par exemple, on prenait les bourbis, c'est ça, le binangayam, mon amouroni, ouwe, les bourbis, c'est ça, les bourbis, c'est ça, les bourbis, c'est ça, le binangayam, mon amouroni, ouwe, et diable, alors là, dès que ça, la partie là s'achevait, tout le monde applaudissait. C'est ça, notre papoulet. Nous l'aimons, nous l'adorons. Nous, c'est notre pichichi. Nous lui disons qu'il se rétablisse, qu'il puisse nous rejoindre. C'est tout ce que nous pouvons demander au Seigneur. Que le Seigneur lui accorde encore longue vie parce qu'il a encore beaucoup à nous donner. Je dis bien, beaucoup à nous donner. Merci.